Mesdames, messieurs, bonjour, Kwe. Écoutez, en ce premier anniversaire de Coconut Podcast, nous recevons une autre invitée. Mais alors là, je me dois de dire une invitée de marque. Coconut Podcast est choyé de pouvoir recevoir, je vous dirais en quelque sorte, la gourou des magazines au Québec. Alors, dans un premier temps, elle a un passé, oui, dans le domaine des ressources humaines. Mais aujourd'hui, elle est avec nous, c'est bien parce qu'elle est directrice générale des éditions K.O., mais également de K.O. Média. Elle est également éditrice, alors là, écoutez bien ceci, de Elle Québec, Elle Canada, mais également du magazine Véro, oui, Véronique Cloutier, à la Distasio, et également K.O. pour Catherine. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast, alors je dis bien, la Oprah Winfrey, oui, des magazines au Québec. Accueillons, sans plus tarder, Madame Sophie Benford, messieurs, dames. Allô, mais là, il y a plein d'applaudissements. Ouais, ben, tu vas les entendre lors de l'entrevue. Sophie Benford, comme je pose à tous mes invités, comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui en mars 2021? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. C'est une question qui demande des nuances. Compte tenu du contexte, je peux dire que je vais bien, dans okay. le sens où je suis en santé, j'ai deux beaux garçons dont un ado là, qui fait vraiment preuve de résilience, une belle résilience okay, en super. Cette période, mm-hmm. Où ils vont à l'école la moitié du temps, où ils n'ont pas le droit de voir des gens à 15 ans. Ouais, on a juste ça. Le goût d'être avec nos amis, on n'a pas le goût d'être avec nos parents. Et là, on est vraiment tout le temps ensemble. Fait que ça, vu que ça se passe bien, je dirais que je vais bien. Okay. Je dirais que quand même, c'est le jour de la marmotte et ouais, que, bon. Que je suis lasse de ça. Je suis une fille qui est curieuse. Qui, en venant ici ce matin au centre-ville, oui. on est au centre-ville oui. de Montréal. Le centre-ville est mort, mais là, on est près du Mac, on est près des studios de danse que j'ai l'habitude de fréquenter souvent. Je m'ennuie de K.O. Média, c'est sur Notre-Dame. C'est sur Notre-Dame, dans le vieux Montréal. Ouais. Je m'ennuie de sortir, je m'ennuie d'aller au restaurant, ouais. je m'ennuie de danser, je m'ennuie de voir des shows. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment le jour de la marmotte depuis un an. On fait à peu près les mêmes mm-hmm. activités, les mêmes choses. Mm-hmm. Heureusement, je suis active. Ouais, le c'est sport ça. Me sauve. Le plein air, là. Le plein air. J'ai beaucoup de plein air, beaucoup de sport. Plein air, week-end, puis ça a l'air que tu fais du jogging, je ouais, c'est jogging. Ça. Oui, oui, oui. Je fais okay. du jogging. C'est ma petite pilule anti-déprime. OK. Avec des amis, avec des copines, ouais, on est dehors, ouais. fait que ça c'est cool, on peut jaser, c'est comme prendre un café, mais au lieu de prendre un café, on jogue. On jogue. Puis on le fait tôt le matin, fait que c'est une bonne façon de partir la journée. Okay, vraiment, super. Ça c'est, ça, je trouve que ça oxygène le cerveau, ça réveille l'esprit. Et je dis tout le temps, mon Dieu, qu'on fait des affaires quand on court, on se met à jour, on fait un petit peu de psychothérapie, on fait du sport, on fait du bien à notre corps, on fait du bien à notre tête, ouais. on fait du bien à notre esprit. Ça oxygène, comme on ça dit. Ça oxygène, puis j'ai des amis. Moi, je cherche la bienveillance oui, chez les gens qui m'entourent. Donc, okay. je dirais que j'ai des amis bienveillantes. Ouais, alors, je commence ma journée souvent entourée de gens bienveillants. Okay. Fait que ça, c'est extraordinaire. Fait que je vais bien, okay. mais je suis tannée. Je suis vraiment tannée, comme tout le monde, okay, je pense. C'est bon. Je trouve ça triste de voir ce qui se passe pour l'économie, pour certains entrepreneurs. C'est vrai. Nous-mêmes, je veux dire, c'est très, très difficile mm-hmm, quand même mm-hmm. en temps de pandémie parce mm-hmm. que justement, les entreprises souffrent et nous, on a des revenus publicitaires, ça, donc ça nous affecte. J'imagine qu'on ira là plus loin dans l'entrevue, mais tout ça me désole. Puis je reviens à mon point tantôt, en venant au centre-ville, puis je voyais comme il y a pas peu droit, d'action. Ouais. Tu sais, puis on est dans un resto ici qui est fermé, qui est en ouvert l'été dernier. En plein place des festivals, oui. ouais, le Camus. Donc. Fait que c'est triste. C'est alors, c'est dur de garder sa joie de vivre en ce moment quand même. Quand même. C'est quand même c'est un combat. Là. C'est quelque chose qu'il
Il faut prendre un jour à la fois, puis tu sais, on le cultive dans les petites choses, puis on se dit, il faut garder espoir, tout ça va revenir. Puis là, on a eu des bonnes nouvelles cette semaine. Oui, c'est ça. Donc, on se croise les doigts, comme on dit. On sait également, durant cette pandémie, ben toi, tu écris très rapidement. Comment ça s'est orchestré pour toi au niveau professionnel en 30 secondes? Tes collaborations, on sait que tu es responsable de Elle Canada. On va en parler un peu plus loin. Tu te dois de communiquer. Je sais que vous avez une succursale vers Toronto. Comment ça s'orchestre? Est-ce que tu es toujours devant ta tablette? On t'écoute? Ben, je suis toujours devant mon ordinateur. D'ailleurs, je suis en train de développer des mots d'eau. Je me tiens bien. Parce que j'ai un laptop, je ne suis pas du tout organisée de façon organique. Okay. J'aime travailler là où il y a de la lumière. Puis souvent, à la maison, en tout cas, c'est dans la salle à manger. Fait que c'est vraiment pas organique. C'est même pas ergonomique, je veux dire. Mais alors, c'est à distance. Okay. Et on fait tout à distance. Okay. Et ça, c'était quand même... C'est bien de découvrir à quel point on peut être efficace et on peut produire notre contenu de qualité, qu'il soit en magazine ou numérique, à distance. Fait des livres en ce moment quand même. Le travail à distance a ses limites parce que toute la synergie, le contact humain, les idées, les brainstorms improvisés... Quand on travaille dans un milieu créatif, on a une idée. Moi, je me lève de mon bureau, je vais dans la salle de rédaction. J'adore l'énergie de la salle de rédaction de la gang. Et là, je dis, ah, que pensez-vous de... Et là, deux, trois personnes, puis quatre, là, cinq se retrouvent. On en parle. Puis là, je dis, bon. Puis là, il y a des idées qui émergent. Puis ça va donner soit du contenu dans un magazine, soit une nouvelle publication. Une nouvelle production, quelque chose. Alors ça, c'est sûr que ça se fait. À distance, c'est très difficile. Les brainstorms ne sont pas les mêmes. Les rebonds d'idées non plus. Oui, en effet. Mais on te sent ravissante. Toi qui es dans ce domaine de l'image, tu te dois de vendre le sourire. On te voit arriver aujourd'hui, resplendissante, le soleil, là. Écoute, on est content de t'avoir et de te voir. Nous autres aussi. Excellent. On va apprendre à te connaître, Sophie Benford, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Vous devriez vous procurer les magazines, entre autres Elle Québec. Sophie Benford vous écrit là, des textes, mais fabuleux. Moi, je vous invite à la suivre. Sophie Benford, il apparaît que toi, tu es une vraie bleuat. Est-ce que tu es plus de chicoute ou jonquière? On sait qu'il y a une petite gagaire. Moi, je suis chicoute, définitivement. Chicoute nord ou... Grandi à Chicoutimi-Nord et au primaire. Et après ça, au secondaire à Chicoutimi, même. Super. La grande ville. La grande ville aujourd'hui qu'on appelle... Ben là, c'est Saguenay. Aujourd'hui, c'est Saguenay, ça inclut Jonquière. C'est ça. Je ne sais pas si cette rivalité existe toujours. Mais avant, quand j'étais jeune, les gens de Chicoutimi et les gens de Jonquière, c'était vraiment deux mondes. La Saint-Dominique, là, ça, à Jonquière. Juste un petit souvenir d'enfance. Est-ce que tu te rappelles des chocolats du père Trappiste? Ben oui, des chocolats au bleuet. Les chocolats au bleuet, Est-ce que quand tu retournes dans ton coin de pays, est-ce que c'est quelque chose que tu te fais un devoir de ramener sur la métropole à Montréal? Toujours. On se comprend. Mais le chocolat au bleuet, on s'entend que c'est une des meilleures choses au monde. Au monde, oui. Bon. OK, on s'entend. Puis les pères Trappistes, ils le font vraiment, vraiment bien. Et tantôt, t'as dit, t'es-tu une vraie bleuet? Mais moi, je suis née à Alma. Le lac Saint-Jean. C'est le lac Saint-Jean. Alors, j'ai tout ça en moi. Donc, tout ce qui est bleuet, tout ce qui est culture. Au lac Saint-Jean, il y a une grosse... maison qui était très près de tout ce qui était local, consommait le fromage local là-bas. Il y a des petites compétitions entre est-ce que c'est le fromage Saint-Laurent qui est le meilleur ou le boivin. Le boivin. Dans le fromage en grains. Il y a d'autres fromageries qui sont nées depuis. On allait chercher le blé d'Inde à la ferme, on allait chercher des légumes à la ferme. Fait que ma mère a poursuivi ça quand on était à Chicoutimi. On avait un petit kiosque pas très loin dans un rang où on allait acheter les fraises quand c'était le mois de juin. On y allait avec les saisons. Fait que j'ai grandi dans cette
Cette atmosphère, cet environnement. Ben, oui, dans cette mentalité de consommer ce qui était fait chez nous, puis ce qui était fait chez nous, c'était le meilleur. OK, ouais, bon, donc, bon, bon. Donc, c'est en moi encore aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, chocolat au bleuet pour dessert, c'est de valeur, donc j'en ai plus, j'aurais pu vous en apporter ce matin. C'est bon matin, midi, soir. Avec Coconut Podcast, on a eu la chance de faire le tour du Québec, aller faire des entrevues les étés, Coconut Podcast sur la route, puis on s'est rendu dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je vais te dire qu'on a ramené au-delà de 10 boîtes de chocolat de Père Trappiste, puis on en donnait en cadeau, là, ouais, puis le monde était super, super content. Je constate que le là-là-là, tu l'as perdu en t'en venant à Montréal. T'arrives ici quand même à l'âge de 18 ans. Tu l'as perdu depuis ou oui, t'es capable de le retrouver? Non, je pense. Ben, c'est sûr que quand je vais là-bas, mon frère puis ma belle-sœur, mes chums les chums que j'ai eus qui sont montréalais, disaient tout le temps à ta belle-sœur, c'est celle qui a le plus l'accent. Là, ma belle-sœur que j'adore, qui est comme ma sœur, Marie-Hélène Savard. Okay. Et quand je la fréquente beaucoup, mais j'ai un peu plus l'accent, qu'on me dit, mais j'ai jamais vraiment eu l'accent. Okay. Ma mère n'avait pas vraiment l'accent, je sais pas pourquoi, puis mon père non plus. D'accord. Alors, je sais pas, mon père à ce jour n'a toujours pas tellement l'accent, mais c'est un accent que j'adore, c'est un accent oui, que bien j'aime. Sûr. Oh, oui. Les gens au bureau, il y a Michel Beaulieu avec qui je travaillais dans le temps, puis même Véro Cloutier est super bonne parce qu'elle a des origines, son père vient d'Allemagne aussi. Quand ils ont l'accent, c'est pas juste un accent. Ben, je me tords pas de rire, en fait, ça me berce, OK. Puis c'est pas juste un accent, c'est une façon de dire les choses, tu sais. Oui, il y a la façon de prononcer les là-là, mais c'est la façon de dire les choses. Et hier, je lisais sur Facebook un ami à moi qui a mis une photo de lui prise chez Sears, le magasin Sears, quand il était jeune. Puis il dit, voici pourquoi les magasins Sears ont fait faillite. Puis là, il dit, pour les Saguenayens, entre parenthèses, sucir. Puis c'est ça, c'est une façon de dire les choses. Nous autres, on disait, ah oui, je m'en vais sucir ou je m'en vais suzela. Ah, tu sais, des façons de parler. Aussi, des mots empruntés aux Anglais parce qu'il y avait les compagnies Abitibi-Presse puis Alcan, qui avaient beaucoup de cadres anglophones qui venaient s'installer au Saguenay. Et là, les gens, comme ma grand-mère qui ne parlait pas anglais, se sont mis à s'approprier des mots. Et c'est des mots qui sont utilisés comme ta soupe de ski, mets ça dans le sink. Ta soupe de ski, soupe de ski, le sink pour dire lavabo. Les éviers, oui. Mm-hmm. Alors, il y a toutes sortes de mots comme ça que j'adore puis dont je m'ennuie. OK. On sent que tu es très attaché encore à ta région d'origine. Complètement. Oui. Bon, OK, on approuve. En plus, ça fait plus qu'un an là, que je suis pas allée à cause de la pandémie. L'Anse-Saint-Jean, tu sais, l'Anse-Saint-Jean, La Terrière, Saint-Félicien, un beau coin que vous avez par chez vous. Ça a l'air que tu vas quitter ton coin de pays vers l'âge de 18 ans pour t'en venir à Montréal, parce que Montréal, l'effervescence au niveau culturel, ça t'accrochait. Puis, on va faire l'entrevue comme ça, il y a des gens clés dans ta vie. Il y a de l'air qu'il y a mon oncle Robin qui est à Montréal. Hey, des recherches à Coconut Podcast, hein? Il y a mon oncle Robin qui joue un rôle important dans cette intégration, accueil, ou du moins te rassurer que tu as de la famille à Montréal. Oui. Comment ça s'orchestre quand tu arrives à Montréal, une anecdote? Comment ça se passe avec mon oncle Robin? Mon oncle Robin, je venais déjà le visiter parce que lui habitait ici. Mon oncle Robin, c'est le plus jeune frère vivant, parce qu'il y avait un autre plus jeune qui est décédé maintenant, mais le plus jeune frère de ma mère, qui a moins de différence d'âge avec moi qu'avec ma mère. Okay. Donc, on a 11 ans de différence. Okay. Et je veux juste expliquer à quel point j'étais proche de lui, puis c'était comme mon frère, la famille de ma mère. Nice. Ma mère est la deuxième plus vieille d'une famille de 9, et ils étaient deux filles et 7 garçons. Okay. Et moi, après, je suis arrivée,
comme petite fille, première petite fille, oui. après sept garçons. Et j'étais tout le temps chez ma grand-mère quand j'étais petite. Mm-hmm. Je passais mes étés au chalet à Saint-Gédéon. Okay, c'est comme ces grands frères-là qui habitaient à la maison chez ma grand-mère. Ils étaient là, puis ils me trimballaient avec eux. Puis j'ai développé une affection. Je suis très proche de certains d'eux, dont Robin, qui est toujours dans ma vie et qui venait jusqu'à la pandémie manger chez moi au moins une fois à toutes les deux semaines. Okay, c'est pas une fois par semaine. On a tes garçons sont proches et que tu en as deux. Mes garçons sont proches de Robin, qui est un psychoéducateur, donc, puis qui c'est très intéressant d'avoir des discussions avec lui quand tu élèves un ado, par exemple. Oui, oui, oui. En effet, en effet. Plus jeune. Mais donc, je venais donc le visiter déjà. Passais des week-ends à Montréal quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Fait qu'il me faisait visiter la ville, les choses qu'il y avait à faire. Mais lui, il était très, très plongé. Il sortait à l'époque même avec un comédien. Et il était très, toujours été très culturel. Il allait voir des spectacles, des pièces de théâtre. Il allait dans les festivals, tout ça. Et il était gay. Ben, il est gay. Donc, aussi, il avait tous ses amis, puis cet univers que j'adorais. Ses amis, Robin, ils sont devenus mes amis avec le temps. Et donc, j'ai toujours eu... C'est drôle ce que je fais aujourd'hui, puis ça, on va faire la boucle. Mais quand j'étais jeune, je lisais des magazines, puis je regardais ce qui se passait. Puis on avait, comment ça s'appelait, le poste où ils jouaient des vidéos... Musique Plus! Musique Plus, puis même un peu avant Musique... Mais en tout cas, oui, disons Musique Plus. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, c'était toujours à Montréal. Et moi, j'avais tellement ce désir de vivre ça. Puis je lisais dans les magazines les shows. Puis je me disais, mon Dieu, que j'ai hâte de pouvoir comme juste y aller. Là, physiquement, je pouvais pas. Alors, quand je suis arrivée à Montréal, quand je venais passer mes week-ends à Montréal chez Robin... Je goûtais à ça, puis c'était sûr pour moi que j'allais choisir... j'allais aller à l'université, mais j'allais choisir un domaine qui se donnait pas, qui s'enseignait pas. Oui, à HCOUT, ouais, c'est ça. Ça a l'air que tu vas venir ici, puis tu vas t'inscrire en sciences politiques. Oui, la première année, j'ai fait sciences politiques. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire peut-être le droit, sans trop savoir ce que c'était, finalement. Et j'ai fait un an en Sciences Po. C'était pas tout à fait mon bac. Mais je n'étais pas très sérieuse. Quand je suis arrivée à Montréal, la première année, je n'étais pas très sérieuse. Mais tu profitais de la vie, tu vas te découvrir, tu vas te trouver un emploi étudiant. Puis pas le moindre, quand même, à l'époque, c'est l'endroit, je pense, qu'on tournait Piment Fort. Tu vas travailler au Café Campus. Ouais. Ça, c'est mais hot, Piment Fort, ça, c'était plus tard, quand ils ont déménagé sur Pointe-Sartre. Moi, j'ai travaillé au Café Campus, l'ancien, sur Lacombe, j'habitais à côté, puis j'allais à l'université. Fait que c'est ça, l'université, c'était accessoire pour moi à ce moment-là. Mais comment tu viens d'un milieu, d'une famille où les études, c'est important, c'est valorisé? Ça allait de soi que... On se posait pas la question. Ouais, c'est ça. Mais tu vas venir à Montréal, il y a monsieur mon oncle Robin qui est là, mais pour plaire à tes parents quand même, tu vas t'inscrire à l'université. Ouais. Je sais pas si c'est pour plaire à mes parents en fait, j'étais dans un chemin, puis ça allait de soi, même pour moi, que j'allais étudier à l'université. C'est juste que je pense que je me connaissais pas tant ou je savais pas tant ce que je voulais faire. Puis c'est pour ça que je suis retournée à l'école aussi à 30 ans. C'est-à-dire que j'ai fait un bac en relations industrielles. Ouais, c'est ça, quand même. Puis j'ai évolué dans ce milieu-là, mais sérieusement... Ça t'accrochait pas, là. J'aurais probablement, avoir su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais probablement fait ATM à Jonquière, justement. OK. Arts et technologies des médias. Au cégep de Jonquière. Tout à fait. Et j'aurais pu ensuite venir étudier à l'UQAM en communication. Tu sais, si je regarde mon parcours professionnel puis qui je suis, ça aurait été naturel pour moi d'emprunter cette route-là. Fait que j'ai fait un autre chemin, j'ai pris un autre chemin qui m'a apporté autre chose parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de gestion. J'ai étudié en relations industrielles, ça m'a amené à travailler en ressources humaines. Puis j'ai donc acquis plein de connaissances en gestion, mais j'ai évolué dans des entreprises où la gestion était importante, puis j'étais au cœur. Mais t'étais cadre également. Ouais. Mais tu vas quitter les ressources humaines parce qu'à un certain moment de ta carrière, écoute, tu vas occuper des fonctions, tu vas quand même être reconnu dans ton domaine. Tu vas faire quand même des sous, tu vas acheter certaines parts à un certain moment, mais le fait
d'être aux ressources humaines, ça l'implique à certains moments que tu dois faire des mises à pied. Puis ça a l'air que cette période-là, là, ça a été quand même difficile. Sophie Benford, très humaine, très, tu sais, proche de son monde. Puis là, tu te voyais à mettre à pied certains collègues très proches de toi. Tu étais jeune à l'époque, des gens qui ont comme des hypothèques. En 15 secondes, aujourd'hui, quand tu repenses, est-ce que tu retournerais dans ce domaine-là en ressources humaines? Non. Non. Okay, okay. Non, je ne retournerai pas. J'ai aimé ça parce que j'ai... D'ailleurs, j'ai connu le père de mes fils. Monsieur Pascal, oui, Pascal Pilon. Ouais, ouais. Donc, pour plein de raisons, je ne referai pas la vie autrement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je retournerai travailler en ressources humaines? Non. Premièrement, j'ai découvert que j'ai un côté... je suis un entrepreneur. Mm-hmm, donc, mm-hmm. À l'époque, j'avais beaucoup d'intrapreneurship. Mm-hmm, oui, oui. C'est difficile quand tu es un service dans une entreprise, mm-hmm. d'exercer ton intrapreneurship. Tu peux le faire dans ton département, mais tu n'es pas dans le core business, le core business de l'affaire. Et donc, les décisions qui sont prises et le focus mm-hmm, et tout mm-hmm. ça n'est pas nécessairement... tu n'es pas dans l'action dans ce sens-là. J'ai mm-hmm. eu la chance de travailler en ressources humaines dans des entreprises où les ressources humaines étaient très importantes mm-hmm. parce que c'était... en technologie, pendant la bulle techno, ouais. on avait du mal à trouver des ressources. Mm-hmm. C'était des business. Chez Vidéotron, ça, télécommunication? Chez Neuron, Vidéotron Limité, c'est vrai. Puis après, Neuron. Mm-hmm. Et donc, il y avait tout le recrutement, la rétention, comment, tu sais, c'était l'époque où là, on mettait des tables de poule, on faisait des cafétérias incroyables, Il y a une bulle techno après qui va... Bulle techno qui explose. Mm-hmm. Puis qui, ben en fait, qui pète. Elle a explosé. Oui, puis après, elle a dégonflé, ben, pas à peu près. Ouais. Et là, il fallait mettre des gens à pied. Parce que là, on perdait de l'argent. Était devenu une compagnie publique aussi. Et là, semaine après semaine, la vie, c'était de s'asseoir autour d'une table puis de passer à travers nos équipes puis de voir qui on mettait à pied cette semaine. Ouais, puis en chaud, pensant ça. Toujours que c'est la dernière fois. Puis c'est moi qui faisais les mises à pied. Ouais. Puis en pensant toujours que c'est la dernière fois. Et la semaine d'après, ça recommençait. Et ça, j'ai trouvé ça très, très dur parce que, en fait, je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais. Okay. Je me suis mise à me questionner sur c'est quoi le sens de mon travail. Pourquoi mm-hmm. moi, je me lève le matin pour aller congédier du monde. Ça ne me tentait plus de faire ça. Puis Pascal, qui était mon chum à l'époque, qui lui était entrepreneur, mm-hmm. disait, tu sais, t'es tellement drive, tellement d'énergie, tellement positive, tu peux pas comme te laisser... J'étais déprimée, tu sais, mm-hmm. me voyais aller, puis il était comme, tu peux pas... Fais ce que tu veux. Tu peux pas plus aimer ce que tu fais, là, mm-hmm. à 29 ans, tu sais. Mm-hmm. Puis je disais, ben c'est sûr que moi, c'est les communications qui m'intéressent, puis ça m'a toujours intéressée. Vous allez tout vendre pour aller en appartement. Ça, c'est quand même... T'a supporté quand même. Et là, tu vas aller faire journalisme. Mais ça a l'air que papa était journaliste lui-même. Ben oui, ben oui. Mais t'as jamais trop pensé à ça, puis c'est finalement que l'appel va venir. Oui, c'est drôle, hein, puis... Mm-hmm. Puis non, mais je n'étais pas très consciente. Mon père, je voyais sa face dans le journal, là, des articles. Okay, mais je n'étais pas... Est-ce que tu lisais? Parce qu'il faisait les éditoriaux. OK, Puis comme il aimait parler politique, puis comme il était très branché sur l'actualité, pouvoir avoir des discussions, c'était intéressant de lire ce qu'il faisait, d'être au courant. Mais je n'étais pas trop consciente de ce que ça requérait et de son travail. Il n'en parlait pas tant. Il parlait du contenu, il parlait... Mm-hmm. de politique et des choses, mais lui, son travail, il n'en parlait pas tellement. Okay, ouais. Puis, c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis journalistes. Je m'entends tellement bien avec les journalistes. C'est du monde que j'aime. C'est des gens curieux, analytiques, mais qui ne se prennent pas trop sérieux. Ils n'ont pas le côté trop mercantile tout le monde veut bien gagner sa vie, côté mercantile que peut avoir des fois certains professionnels ou certains hommes femmes d'affaires. C'est vraiment jamais plate avec des amis journalistes. Journalistes, OK. Ouais. Excellent. Puis je travaille, avec des journalistes, des gens qui font ça dans la vie. Fait que je suis vraiment comblée. J'adore les humains qui ont cette curiosité, ont ce sens de l'analyse, qui se posent des questions. Esprit critique,
Puis, intégrité, mm-hmm, l'intégrité mm-hmm, est importante mm-hmm. ouais, 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 aussi ouais. là-dedans. Journalistique, là, ouais. Il y a une rigueur. Il y a une rigueur, oui. Ouais, OK, aussi. Excellent. Là, maintenant, tu vas décrocher ton papier en journalisme et entre-temps, tu vas te chercher un stage. Puis là, ben, en tout cas, moi, je suis un peu de la même génération que toi. Puis là, tu écoutes une émission, aussi je l'écoutais, « Indicatif présent » avec Marie-France Bazot. Puis ça a l'air que toi, t'es une femme d'action. Puis en nous préparant à Coconut Podcast pour cette entrevue, il y a beaucoup de similitudes. Tu fonces. T'es quelqu'un qui n'a pas peur de décrocher ton téléphone. Je sais pas s'il était à cadran, je niaise un peu, ou les gros cellulaires un peu. C'était probablement pas un cellulaire encore. C'était pas encore, hein? Non, je pense. Un Vista, là, tu sais, Maestro, téléphone avec le numéro qui apparaissait. Puis là, tu vas appeler à Radio-Can, puis tu vas vendre ta salade dans le sens, moi, je veux être stagiaire là-bas, puis ils vont te rencontrer, puis tu vas commencer. Là, maintenant, tu vas préparer. Ça a l'air que c'est un boulot quand même intéressant, là, un stage, une expérience superbe. Mais à un moment, bon, tu commences à te dire, mais Sophie Benfeu, tu sais, t'es stagiaire, t'étais déjà vice-présidente à l'époque en ressources humaines. Et là, ça a l'air que tu vas avoir un contact, tu peux nous en parler, mais il y a eu des gens importants dans ta vie, entre autres, Mme France Lefebvre. Oui. Pourrais-tu nous dire à quel moment, toi, mais tu vois? Oui, oui, oui. Il y a eu Myriam Legros. Ah, qui, oui, OK. Qui était. Myriam, quand je travaillais en ressources humaines, ça a été comme la première. Elle commençait à faire un stage, mm-hmm. puis après, on l'a engagée. Ça a été comme ma première employée. C'est la première fois que je supervisais quelqu'un. Okay. Puis on a travaillé c'est ensemble. C'est elle qui va te rembaucher à. C'est ça, c'est qu'elle, à travers le temps, fait qu'on a fait chacune nos évolutions après. Okay. On a travaillé ensemble peut-être un an ou deux. Mm-hmm. Puis après, on a fait nos évolutions. J'ai quitté l'entreprise. Elle. Bon. Et était devenue directrice de ressources humaines chez Transcontinental. Oui, 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 tout à fait. Et c'est elle qui m'a contactée et me dit « Hey, j'ai entendu que tu étais rendue en journalisme. On cherche du monde. Tu sais, ça te tente-tu? » Et là, elle donne mon nom à France Lefebvre, qui était à l'époque rédactrice en chef de Coup de pouce. Puis mm-hmm. France, elle m'a appelée puis elle me dit « OK, j'ai regardé ton CV, là. Pourquoi je te rencontrerais? » Elle avait raison parce que dans mon CV, il était en ressources humaines, il n'y avait rien qui était… Mm-hmm. Puis j'ai dit « Ben rencontrons-nous. Je peux bien vendre ma salade au téléphone, mais rencontrons-nous, puis tu vas voir ce que je peux apporter, puis on verra ensemble si je suis la bonne personne ou pas, mais laisse-moi au moins aller te faire mon pitch. » OK, OK. Ce qu'elle a accepté, puis elle avait envie d'approfondir tout le côté ressources humaines, le côté avec son équipe, tu sais, d'être un peu plus, de fédérer son équipe davantage et tout. Fait qu'on a fait, je suis allée la rencontrer, puis elle m'a dit « À qui je vais faire un deal avec toi? » Toi, là, tu vas me « coacher », entre guillemets. C'était pas « coacher », mais c'était plus te transférer tes connaissances en ressources humaines. En ressources humaines. Mm-hmm, et moi, je vais t'enseigner les rudiments du magazine. Ben, si on veut pas pire, ça. OK, deal. Mais là, c'était un poste en bas de l'échelle. Là, j'étais adjointe à la rédaction. Mais c'est par là qu'on commence, là, dans le milieu, là, ça a de l'air. Et là, maintenant... Il y a une autre dame également. Vous me dites que c'est la même, mais il y a Francine. Francine Tremblay. Oui, Madame Tremblay, ça a l'air, elle aussi, elle va. Tu vas rentrer en contact avec elle et elle va te faire une proposition qui va en quelque sorte changer ta vie. Mais tu vas demander un genre de 48 heures de réflexion. Puis la madame, tu sais, quand même férue dans son domaine, était déjà à la tête de 40 magazines et tout. Puis là, elle va dire hey, ma petite. Pete, ma petite jeune, t'en connais-tu, toi, d'autres qui, de ton âge qui se font offrir un boulot de rédactrice en chef, mais adjointe, là, quelque chose comme ça? Non, c'est rédactrice en chef. Puis, en fait, c'est que Francine Tremblay, c'était l'éditrice de tous les magazines chez Transcontinental, donc le patron de France Lefebvre. Ouais, OK. Puis France, qui s'occupait de Coup de pouce, s'occupait aussi de Fleurs, Plantes et Jardins. Oui, le magazine. Le magazine Fleurs, Plantes et Jardins, un peu magazine d'horticulture. Et moi, j'ai travaillé comme 2 ans, je pense, avec France, sur Coup de pouce, sur Fleurs, Plantes et Jardins. Mais surtout, avec le temps, je travaillais surtout sur Fleurs, Plantes et Jardins, en fait, mais comme adjoint. Puis quand Francine me fait venir dans son bureau, elle me dit « Bon, ben, tu sais, je voudrais t'offrir le poste de rédactrice en chef de Fleurs, Plantes et Jardins. On va l'enlever de souffrance parce que ça faisait trop, là, avec Coup de pouce, qui était quand même le magazine le plus populaire au Québec à l'époque. » Et elle dit « Je vais t'offrir le poste de rédactrice en chef. » Puis,
Moi, j'ai dit, ben, attends, là, tu sais, moi, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Là. Moi, il y avait, dans ce temps-là, Transcontinental avait les magazines Elle Québec et Elle Canada. Moi, je reluquais le Elle Québec. C'était vraiment mon rêve de travailler pour le... Puis aujourd'hui, tu es à la tête. Je voulais être responsable de la section culturelle du Elle Québec. Pour moi, ça, c'était comme le... C'était là que je m'en allais. C'est là que je m'en allais. Fait que je faisais mes classes. Puis là, j'ai dit à Francine, tu sais, l'horticulture, j'arriverai jamais à mes fins de travailler en culture. Et elle m'a dit, écoute, la petite, là, moi, j'en gère 40 des magazines ici, là. C'est, puis là, elle, je le gère. Fait que si t'es bonne, là, si t'es bonne, j'en ai aucune idée parce que je te vois pas aller. Fait que si tu prends Fleur, Plante et Jardin puis que t'es bonne, là, je veux savoir que t'es bonne. Puis là, fie-toi sur moi que ton chemin, tu vas pouvoir le faire. Mais t'as quand même appris à dur, là. Elle m'a dit, tu réfléchis pas trop longtemps. Okay. Francine, j'ai encore des contacts avec elle aujourd'hui. Okay. On travaille encore ensemble parfois sur certains projets. Puis elle-même, elle dirait que je l'adore. Okay, je l'adore. Cool. Grande dame. Oui. Puis une autre grande dame, ça, t'en rencontres plein. Puis aujourd'hui, c'est toi la grande dame. Est-ce que t'es consciente de ça? Non. Je me vois pas comme une... Ben, je veux dire, je me vois... Je pense... J'essaie d'être l'employeur, le patron que je voudrais avoir ou que j'aurais toujours voulu avoir. Fait que c'est comme ça que je gère ma vie. J'essaie d'être la personne que... Alors, quand je... Comme patron, j'essaie d'être... De ne pas faire subir ce que toi, tu avais vu comme injustice ou comme plate en tant qu'employé, oui, genre. Oui, oui, dans le don, dans le ne pas être, effectivement, mais dans l'être, j'essaie d'être inspirante dans le sens où d'être à l'écoute, mais de pousser plus loin quand même la réflexion quand on a... Quand il y a une réflexion ou quand on fait quelque chose, j'essaie de m'assurer qu'on a pensé à tout, puis j'essaie d'expliquer pourquoi. En fait, toujours, si c'est oui, si c'est non, si c'est... Il faut, je pense que pour comprendre, il faut expliquer. Puis, ben, je suis humaine, là. Moi, c'est des gens que j'aime. T'sais, on travaille d'abord avant tout avec des gens. Avec des humains. Je les aime. Okay. Donc il y a cette... Fait que je me vois pas comme une... Dans le mot grande dame, je trouve qu'il y a quand même une distance. Okay. Moi, je me vois plus proche et il y a beaucoup de chaleur. Au bureau, je sais que les gens savent qu'ils peuvent me parler, ils savent que je vais être là, que je ne vais pas les laisser tomber. Et surtout, ils savent que c'est transparent, ils n'auront pas de surprise. C'est-à-dire si ça ne se passe pas bien, on le sait, on le sait tout de suite. On règle les choses, on est tous humains, on peut faire des erreurs. L'important, c'est de ne pas les répéter. Oui, puis l'important, tu sais, tu peux faire n'importe quelle erreur. Des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres. Mais on peut faire des erreurs, l'important, c'est d'apprendre et de ne pas les répéter. Si l'erreur se répète tout le temps, là, on a un problème. Et là, probablement qu'on ne pourra plus continuer ensemble. Mais tout ça ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas la première fois, puis les gens vont avoir vu venir. Et moi, à l'inverse, je dis toujours aux gens, tu sais, il n'y a rien qu'on ne puisse pas se dire. Tout est dans la façon. Et je m'attends à ce que les gens avec qui je travaille me donnent du feedback, disent comment ils se sentent, me partagent les problèmes, parce que si je dis aussi, s'il y a des problèmes, puis que je ne suis pas au courant, je ne peux comme pas aider à trouver des solutions. OK. Mais ça, je pense que ton passage en ressources humaines va t'aider à avoir cette capacité d'instaurer des modes de fonctionnement au niveau rapport employé-employé, rapport employé-patron. Je pense que ça, tu tiens ça de là quand même. Tu vas rencontrer deux personnes incroyables dans ta vie qui vont t'aider dans ta carrière. Puis là, on va arriver à Elle Québec, Elle Canada, Véro Magazine, tout ça. Elle Décoration, votre nouveau magazine, on va en parler dans quelques secondes, je pense qu'il arrive au mois d'avril. Oui. C'est ça, exactement. Vous avez fait l'annonce au mois de février. Il y a Mme Lise Ravary, quand même. Puis, je vais te surprendre, M. Jocelyn Poirier. Excellente recherche. Tous mes employeurs, mes ex-employeurs, mon Dieu, que j'ai eu du bon monde. Deux bons mots là, pour ces gens-là. Mais là. Lise, mon Dieu, quelle force, ça, quelle intelligence. Loulou, tu sais, quand même, non, magasin. Non, mais Lise, quelle force, quelle intelligence, curiosité, elle aussi. L'expression « think of the box », qui est peut-être galvaudée, Lise, c'est vraiment quand même l'incarnation de ça. Puis Lise aussi, c'est un cold call. J'ai su qu'il cherchait peut-être quelqu'un, puis j'ai décroché mon téléphone, puis je l'ai appelé. Elle t'a fait trimer dur, ça a l'air. Oui. Puis j'ai dit, là, tu vas regarder mon CV, puis tu vas dire, ben pourquoi je rencontrerais cette personne-là? Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça avoir une rencontre, juste une rencontre. Puis là, finalement, écoute, il y a eu cinq rencontres avant que je sois embauchée.
elle m'a fait rencontrer ici, puis ça, mm-hmm. puis elle se disait, bon, OK, je veux travailler avec cette personne-là, mais elle, elle me cherchait un titre mm-hmm. ou quelque chose mm-hmm. à faire. Mm-hmm. ça, écoute, j'ai été 6 ans la première fois à Châtelaine, fait que j'ai gravi les échelons. Aussi, jusqu'à rédactrice en chef. Quand même. Ensuite, Jocelyn Poirier. J'ai eu un appel de TVA, publication mm-hmm. et j'ai rencontré Jocelyn, que j'ai adoré, et qui, là, m'offrait un poste d'éditrice pour 3 magazines. Fait que là, ça aussi, c'était comme une progression dans ma carrière. C'est quoi, Clin d'œil, Moi et compagnie, puis Star System, puis il y a eu un moment donné, on a lancé, je me suis occupée de Signé M. Il y a eu différentes publications dans mes 3 années chez TVA. Et l'éditrice, Marie-Josée Desmarais, qui était chez Rogers et qui s'occupait de Châtelaine et Loulou dans le temps, mm-hmm. A quitté pour aller chez Ricardo. Et là, ce poste-là est devenu disponible. Puis c'était des marques que j'aimais, que je connaissais l'équipe et tout. Fait que je suis revenue comme éditrice chez Rogers pendant 2 ans. Super. Puis là, maintenant, t'es à... En tout cas, t'es prêt. T'es une grande cadre chez KO Média, directrice générale, KO Édition. Ça, ça a été parti par Louis Morissette, entre autres, c'est le mari de Véronique Loutier. Les autres vont partir KO en 2009. Par la suite, en 2015-2016, KO Média va voir le jour. Ouais, tu m'aides là-dedans, on essaye de départir tout ça. Ben, Louis est à la tête du groupe KO. OK, ouais. Et KO TV, la première entité qui est née, mm-hmm. Il s'est associé avec 2 partenaires, Alain Chicoine et Louis-Philippe Drolet. Mm-hmm. Et ils ont ensemble parti KO TV. Puis je pense qu'à l'époque, c'était pour produire les bye-bye. Je m'en rappelle, Et donc... ils ont fait plein de productions de télé, puis bon, aujourd'hui, ils en ont tellement leur actif, il y en a combien qui roulent en ce moment même où on se parle à la télé, mais il y en a énormément. Et ensuite, quand Louis a fait son premier film, ils ont créé KO 24, et après, fait que les projets s'orchestrent autour de Véro et Louis, après, ils ont créé KO 5 pour le show de Véro et Louis, qui a roulé pendant 3 ans, les Morissettes. Mm-hmm. Et là, dans cette entité-là, il est associé avec une fille qui s'appelle Véronique Trépanier, qui est une spécialiste, dans le fond, de l'humour et de la scène. Super. Donc, dans chaque entité, il est associé avec quelqu'un comme spécialiste de marché. Spécialiste du domaine, je devrais dire. Et mm-hmm. donc, moi, j'étais chez Rogers, et à l'époque, quand Transcontinental a vendu les magazines à Québécois, ils ont voulu... Véro et Louis... Véro ne voulait pas nécessairement suivre leur transaction. Et là, moi, je l'avais entendu dire ça à Paul Arcand le matin à la radio. Et j'ai tout de suite appelé mes patrons. J'étais éditrice chez Rogers, puis j'ai appelé mes patrons à Toronto. Mm-hmm. Pour dire, on a une opportunité, il faudrait acheter ce magazine-là. Ils ne connaissent pas Véro, eux autres? Non, ils ne connaissent pas Véro, ils ne connaissent pas Louis. Je leur ai fait un pitch. Mm-hmm. Mon patron direct à moi, il a compris, il a vu l'opportunité. Okay. Il est venu ici à Montréal les rencontrer. On a eu des conversations, on était en égo, en fait. Mm-hmm, mm-hmm. Et à un moment donné, du jour au lendemain, son patron à lui a dit non, on n'avance plus dans cette transaction-là. Ce que nous, on ne savait pas, c'est que, pas très longtemps après, Rogers se départissait de ses magazines. Donc, eux, probablement qu'ils savaient que c'est vers là qu'ils s'en allaient. Mm-hmm. Mais là, donc, Louis, quand il a vu ça, il a dit on va se produire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes, ça ne doit pas être si compliqué à faire, mm-hmm. ça, un magazine comme ça. En ayant un support de Rogers Publications. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on a fait comme un genre de partnership. Okay. Puis après, ils se sont dit, OK, ça nous prend comme une genre de Sophie Benford. Qu'est-ce que ça mange ça en hiver? Ça, vous ne connaissiez pas encore, là, c'est On se connaissait un peu. Okay. On avait fait des projets, on avait déjà fait Véronique en page couverture. Oui. On avait aussi fait Louis en page couverture. Puis là, on s'était vus dans les négos. Fait que je pense qu'on savait qu'on s'entendait quand même. Mm-hmm, mm-hmm. On voyait quel genre de personne on était, mais on n'en savait pas plus. Et là, moi, j'ai levé la main et j'ai dit, moi, ça m'intéresse de me joindre à vous, mm-hmm. mais j'aimerais ça être
actionnaire de la boîte parce que dans mon prochain step, moi, j'étais déjà en train de penser à peut-être lancer quelque chose. Oui, mais tu avais déjà été actionnaire de compagnie dans le... Oui, mais pas... Tu sais, c'était pas des options niveau, d'achat, puis c'était pas... Ça n'a pas duré longtemps. Là, avant la bulle techno, ouais, là. Oui, ouais, avant la bulle techno. mais c'était pas du tout la même chose. Okay. Moi, puis là, Louis me pose la question, pourquoi tu veux être actionnaire? Je dis, ben, parce que je veux créer de la valeur, puis je veux vouloir profiter de cette valeur-là que je vais créer. Puis le deal qu'on a fait la première année, j'étais pas actionnaire. Mm-hmm. Lui, il était pas intéressé à... Tu lui dis, on va produire le magazine Véro. Puis sa réponse, c'était, si Véro se fait écraser par un autobus demain matin, ta compagnie, elle ne voudra plus rien. Ouais. Donc, je peux bien te rémunérer sur la profitabilité de l'affaire, puisque tu vas faire une différence. Mais, parce que lui, il vient d'une famille d'entrepreneurs, la bosse des affaires, ça, il l'a, le monsieur Morissette. C'est un très bon homme d'affaires. Okay. Autant il est artiste, il est c'est ça, humour et tout. Mais c'est profondément un homme d'affaires. Okay. Oui. Et le fait de travailler, ça, je pense que, tu sais, nos internautes, le fait de travailler avec deux personnalités, toi-même, tu en es une, mais le fait de travailler avec Véronique Cloutier, Louis Morissette, comment c'est, là, en 15 secondes? Est-ce que c'est des gens faciles d'approche pour toi, malgré que tu travailles avec eux ou dans un milieu professionnel? Vite de même, là. J'ai pas le côté groupie de... Okay. Je sais pas, là, genre, on pourrait être assis là puis jaser avec Barack Obama, tu sais, c'est l'adore, là, c'est vraiment une de mes idoles. Mais je veux dire, c'est un humain qui a pas du droit de vie ou de mort sur nous, tu sais, fait que ça serait très intéressant d'avoir... Fait que j'approche n'importe qui comme ça. Mm-hmm. Fait que pour moi, Louis, ben c'était à l'époque mon patron, puis c'est devenu mon partner. Après un an, on s'est associé finalement parce qu'on a créé autre chose, puis que, bon... Et Véro, c'était un peu comme... ma cliente, tu sais, dans une certaine façon, parce que c'est comme de la même façon que José DiStasio, c'est ma cliente, tu sais, pour employer des termes corporatifs. Mais Véro est très axée sur l'objectif, sur le fait que, tu sais, bon, elle sait ce qu'elle veut, c'est son magazine, alors, mais tu sais, elle le communique, puis est axée sur faire les choses puis bien les faire. Okay. Et elle a un côté très humain et elle ne crée pas cette distance avec l'équipe ou avec les gens. Okay. Je veux dire, oui, il y a une distance dans le sens où elle n'est pas physiquement au bureau là, tout le temps et tout. Hein, puis tout le monde ne peut pas l'appeler parce qu'elle a une occupation du temps. Bon, mais comme n'importe quel, je ne sais pas moi, président d'entreprise, direction, on ne les appelle pas mais quand il y a un contact, sur les shootings ou dans les réunions d'équipe, dans les brainstorms, quand il y a un contact, c'est un vrai contact. Et il n'y a pas cette distance-là. Même affaire avec Louis, c'est mon partner, on se parle, il s'appelle Louis Morissette, c'est mon partner. Pour d'autres gens, c'est une star de la télé ou du cinéma. Pour moi, c'est un homme d'affaires, c'est mon associé, on parle business, mais on se rejoint dans tout ce qui est création de contenu, créativité. Tu sais, il y a comme un goût pour certains genres de contenu, de produits, tout ça, où on est dans le même univers, on se rejoint là-dedans. Ça, c'est important parce que... Puis ça, c'est la vie. Je veux dire, on décide pas ça. C'est, toi, tes valeurs, puis ce que tu vois, puis ce qui te fait triper, puis moi, mes valeurs. Enfin, ça se rejoint. Okay, fait que là, c'est facile. Dans un univers créatif, c'est important. En tant que femme, en 2019... KO Média, KO Édition, tu me corriges. Oui. Vous allez acquérir Elle Québec, Elle Canada, entre autres. Oui. Ça, c'est quand même important. Et le contenu de ces magazines s'adresse majoritairement à la gente féminine. Quelle est l'importance pour toi d'adresser certains sujets, de démystifier certains sujets à l'égard de la gente féminine, des filles. Puis là, toi, tu dis que tes magazines s'adressent à toute la gamme là, des plus jeunes, mais à ma maman, par exemple. Je t'écoute. Oui, parce que moi, je pense que la curiosité n'a pas d'âge. Okay, nice. Puis que je suis certaine que quand je vais avoir 85 ans, ça va m'intéresser ce qui se passe dans la société, les nouvelles appellations pour les orientations, pour les identités de genre. Oui, 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 oui.
c'est toujours des sujets qui vont nous intéresser. C'est sûr que quand on regarde la mode et la beauté d'un magazine féminin, il faut le camper dans un certain âge, tu sais, à un moment donné. Oui, à un moment donné. Parce que... Mais bon, t'as des lectrices, t'as des lecteurs, t'as un public. Oui, puis il faut que je puisse le montrer, il faut que je puisse l'illustrer. Donc, on va avoir l'impression que ça s'adresse aux plus jeunes. Puis c'est un magazine qui est fait par des jeunes. Mais si on est curieuse et qu'on veut, tu sais, puis qu'on veut en savoir plus, puis qu'on est ouverte, c'est un magazine qui s'adresse à toutes les femmes. OK. Parce qu'il y a énormément de sujets, surtout quand les filles racontent leur histoire qui n'ont pas d'âge. C'est super important pour moi qu'on soit ancré dans la vie d'aujourd'hui. Yes. Et dans la vie de demain. Mm-hmm. On regarde ce qui s'en vient. Les sont partout dans le monde, dans 45 pays. Dans un des piliers du magazine, c'est les tendances. Mm-hmm. Mais les tendances, c'est pas juste de tendance mode. Mm-hmm. On parle de tendance de société. Je sais. Vers où on s'en va? C'est quoi le monde de demain? Okay. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous touche? Comme femme, moi, je veux que... Puis je dis femme, puis là, j'ai du mal. Bon, puis le magazine s'appelle Elle, puis on va pas changer de nom. Là. On a mais il y avait quand même un homme qui a fait un nom binaire, je ne sais pas, qui avait fait la page couverture, qui a quand même fait parler, temps, là, entre autres, là, non, puis, avec son vernis vert, ses cheveux un peu une... C'est une mini-controverse. Une mini-controverse, mais quand même, le L, vous donnez une direction, on sent ces derniers temps, de sortir des sentiers battus. On va avoir celui-ci en page couverture. On va avoir également, dernièrement, un couple homosexuel, mais de femmes. Deux femmes très connues. Ensuite, on a... Catherine Levac et Karel Tremblay. Quand même, là, c'est magnifique. Mais on est également, dans Véro Magazine également, toujours... nous avons cette page couverture, mais qui a fait parler dans la diversité, la communauté noire. Je veux dire, les gens étaient contents, là. C'était comme, waouh! Une première page couverture, Véro voulant s'impliquer, tu sais, prendre position dans tout ce qui se passe, le Black Lives Matter, puis avec toute son équipe. Ça, c'est incroyable. J'aimerais t'entendre là-dessus. On voit les Fabienne Collat, les Carla Beauvais, entre autres, pour ne nommer que celle-ci. Ça, là, c'est tout un coup. Donc, on sent ces dernières années que... Je sais pas, est-ce que c'est sous la houlette de Mme Benford non, que vous avez pris cette direction? Non, je ne prends aucun crédit pour ça parce que... c'est vraiment un truc d'équipe. Okay. Et... en ce qui concerne, par exemple, le magazine Véro, c'est vraiment Véro qui, depuis le jour 1, on fait le magazine ensemble depuis 2015. Je pense qu'elle le faisait et le disait dans le temps où elle était chez TC aussi. Mais pour elle, l'inclusion, c'est super important. L'inclusion des corps, tu sais, l'inclusion de l'âge, l'inclusion sous toutes ses formes. Donc, avant, elle se prononçait moins publiquement sur ces genres de sujets-là. Je pense que dans la dernière année, ça a amené une certaine réflexion puis qu'elle a décidé publiquement de s'afficher davantage. Que ce soit donc au magazine Véro ou que ce soit au Elle, si on ouvre les magazines qu'on crée, mais ça va faire 2 ans, là, en mai, ça fait partie de l'ADN de l'équipe. Ça fait partie de l'ADN de qui on est. Et pour moi, j'étais surprise quand on a mis Karel Tremblay puis Catherine Levac en page couverture, par exemple. Patrick Lagacé, j'ai fait une entrevue avec lui puis il me demandait, tu sais, c'était un peu un coup marketing, là, tu devais savoir que ça allait faire parler de même. Puis j'avais dit non, ben j'aurais aimé ça y penser. C'est-à-dire que je peux pas croire. Comment je dirais ça? C'est que nous, là, ça fait tellement partie de notre univers au travail, puis de nos conversations, que des fois, on perd la notion de. On perd la notion de différenciation. De où est-ce que la société est par rapport à ça. Tu sais, l'homosexualité... Je te parlais quand je suis venue à Montréal, chez mon oncle Robin. Je côtoie Robin depuis toujours. Je me tenais que ça gagne de gays. On sortait dans le village, on allait au California. Il y a de la folie, dans le temps. C'est cool, les gens sont... Moi, ça fait partie de ma vie. Donc, pour toi, avoir quelqu'un comme sur ton magazine... Fait que deux filles, c'est parce qu'on aimait. C'était le coming out de Catherine. C'était une belle photo.
c'était le fun. Tu sais, elle avait envie de partager son histoire d'amour. Mm-hmm. Mais de là à dire, ça va faire un gros... buzz. Je n'aurais jamais pensé. Okay, de la même façon que J.D. Tom qui porte du vernis mm-hmm. sur notre page couverture, ouais, mais ça. Pas une seconde penser que ça dérangerait quelqu'un quelque part. Jamais de la vie. Au contraire, moi, je dis, c'est tellement le fun. Tu sais... ma tante à Chicoutimi qui voit ça dans son salon puis qui a un garçon qui a envie d'aller là peut avoir, tu sais, voit que c'est comme, entre guillemets, normal ou en tout cas mainstream, mm-hmm, tu sais, mm-hmm. et peut avoir ce genre de discussion-là avec son garçon. Puis Jay, de toute façon, il faisait à Occupation Double bien avant de le faire sur le L. Là. Mm-hmm. Nous, on l'a pas fait dans un but. On veut pas provoquer pour provoquer. Mm-hmm. On met en page couverture, puis on met dans, comme sujet de magazine ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, les conversations qu'on a. On n'a jamais autant parlé de vulve et de vagin que dans les dernières années. Non, mais les filles, c'est un sujet de conversation. Je dis, ben, OK, moi, j'entends parler de ça dans la salle de rédaction. Je dis, ben, OK, il ben, faut mm-hmm. en parler dans le magazine. Yes, yes. Alors, puis on le voit partout dans le monde maintenant. Il y a même des expositions qui sont faites sur le sujet. C'est des trucs qui sont moins tabous, là, qu'on amène. C'est vraiment une affaire d'équipe, d'humaine, okay, d'humain. Okay. Je dis humaine parce qu'il y a, on a deux, il y a deux gars dans l'équipe. Okay, là. Ouais. Mais Théo, c'est ça? Non, Théo, c'est une femme. Oui, Théo, c'est une fille. Okay. Non, on a un gars, en fait, c'est en finance, nos deux. OK, bon. Émanis, Jean-Louis, okay. qui s'appelle, puis Sean Reese. Okay, on a deux gars seulement. Moi, dernière question. Vous avez pris cette direction, tu vas répondre en rafale. La réaction en ce qui a trait à la page couverture des femmes noires, oui. est-ce que tu as eu une belle réaction? Ça, c'est la première question. Deuxième question que je te pose, en ces temps de pandémie, il y a eu quand même une baisse des revenus publicitaires pour l'industrie des magazines et tout, mais... KO Média, KO Édition ont quand même pris le temps d'aller questionner un peu leur lectorat et vous êtes venu avec un magazine quand même intéressant. Puis là, j'aimerais t'entendre là-dessus à la toute fin. Elle, Décoration, qui sort en avril. Ça, là, c'est un gros coup de canon. Tout le monde fait des Renault. Tout le monde est chez Renault Dépôt, oui. Rona. J'aimerais t'entendre là-dessus. C'est ça, tu viens de le dire. C'est pour ça qu'on fait ça. Okay. Je vais répondre à tes deux questions. Ça, si je réponds sur le L, c'est que c'est vraiment un besoin des annonceurs. Alors, tu le dis, les revenus publicitaires mm-hmm. sont en... 50% de baisse. Oui, hein? sont en baisse en ce moment. C'est difficile, c'est tough. Alors, il faut être créatif, il faut être imaginatif, il faut aller là où les annonceurs sont. Puis là, on s'est dit, c'est quoi les entreprises qui vont bien en ce moment? Et Eldeco, ça faisait quand même un temps qu'on flirtait avec l'idée d'aller là. Il y a 25 pays dans le monde, il y a 25 éditions d'Eldeco dans le monde. Mm-hmm. Puis bon, mais on a sondé nos équipes puis nos annonceurs, puis il y avait une demande pour ça, puis je connaissais les bonnes personnes pour faire ce produit-là, Céline Tremblay notamment, comme rédactrice en chef. Donc, on a dit, OK, let's go, on va l'essayer. Fait qu'on le fait, puis jusqu'à maintenant, ça marche, les annonceurs sont là, chez Dubois. Le magazine va être très, très beau. C'est très, deux très parutions content. Annuelles. Deux, on commence avec deux au printemps, une à l'automne. Okay. En ce qui concerne la page couverture de Véro... C'est notre dernière question. Écoute, je pense que l'initiative a été super bien reçue, générale. Il y a eu certaines critiques, comme n'importe quoi que Véro fait. Ou, tu sais, je sais pas, il y a tout le temps un peu des gens... Les gérants d'estrade. Je trouve que c'est de mauvaise foi là, de penser qu'on va faire ça pour qu'elle fait ça pour avoir du capital. Elle a déjà son capital. Non, mais franchement, le magazine, c'était vraiment pas, comment je dirais ça, il est un petit peu moins vendu que quand c'est Véro qui est sur la page couverture. Fait que c'était certainement pas pour faire un coup marketing. Puis Véro, moi je le sais, là, pour travailler avec elle depuis 2015, là, l'inclusion, ça fait partie de ses valeurs. C'est profonde. Wow. Alors c'était intègre tout ça. Mais je pense que ça a été... beaucoup mieux reçu et je pense qu'il fallait le faire, puis on va continuer parce que tant mieux si on fait des choses puis que ça peut faire bouger des choses ou ça peut faire changer des perceptions, des mentalités, tant mieux. Superbe.
une suggestion pour terminer, une suggestion de lecture, puis tes remerciements. Une suggestion de lecture. Ou écoute, de film, ou ben tu sais, t'en écris toi aussi plusieurs articles. Ouais, ouais. Non, mais là, je ne suggérerais pas de me lire moi. Non, mais j'ai un film que j'ai vu, puis là, j'aurais aimé ça vous nommer un film québécois, fait que je vous dirais d'aller voir La déesse des mouches à feu, là, parce que je trouve qu'il faut encourager notre culture ici, et c'est important. Yes. Mais un film dont je veux parler, que j'ai vu, puis que je pense qu'il faut voir, c'est Young Promises Woman, Carey Mulligan. Okay. Je pense que tous les hommes devraient voir ce film. Young Promises Woman. Oui, oui, oui. Et les filles aussi. Okay. Et les filles devraient voir ce film. Elle est fabuleuse. Puis la réalisatrice, Emerald Fennell, une jeune femme, c'est son premier film. Okay. C'est une actrice qui joue notamment dans The Crown. Puis elle a 35 ans, c'est son premier film. Et c'est un petit chef-d'œuvre. Écoute, on va inviter nos internautes à aller voir ça. Sophie Benford, tes remerciements? Mes remerciements, mon Dieu, d'abord à toute mon équipe. Oui, j'ai une équipe formidable. Je ne peux pas les nommer parce qu'elles sont 35, là, mais c'est sûr que les leaders de mon équipe de direction, là, que ce soit Joannie Pietracoupa, rédactrice en chef d'El Québec, El Canada et de Véro, rien. Puis accompagnée de directrices de création formidables à New York, mais Cynthia Kellette qui s'occupe aussi de tout le volet numérique. On fait du contenu incroyable. Puis les gens sont au rendez-vous, là, je veux dire, nos chiffres de nos trafics sur nos sites et partout sur nos réseaux sociaux montent. Puis toute l'équipe de KO, Louis, mon partner, qui est toujours là quand j'ai besoin. Et voilà, je dirais, c'est professionnel. J'ai plein de remerciements aux gens de ma vie, mais je veux rester professionnel. Super, dans le domaine professionnel. Nous autres, on te dit merci. Puis on sait que tu as beaucoup d'aide dans ta vie. Je sais que le voisinage est très présent. Tu as un bon ami, je pense à ton frère, qui habite en face de chez vous. Ça va être la recherche. Hein? À la Sonia Benezra. sérieusement. Bravo. Merci. Ben, on se doit de se préparer qu'on reçoit, tu sais, la gourou des magazines. Okay. Hein? C'est comme on est en audition. Là, donc, Sophie Benford, on te dit un grand merci. Et comme je dis si bien en fin d'entrevue, en Innu, on dit Chinashkumitin. Les Algonquins te disent Miigwech. Les Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. Alors, on te dit un grand merci, Sophie Benford. Et wow. Moi, là, tu viens de faire ma journée. Toi, tu viens de faire ma journée. Merci à toi. Merci à toi et ton équipe. C'était vraiment le fun. Merci. Tiguidou, merci à toi. Salut. Messieurs, dames, eh bien oui, nous étions avec, je le dis depuis le début de l'entrevue, c'est la gourou des magazines au Québec et j'ai envie de dire au Canada. Attendez son magazine au mois d'avril. Elle, décoration, écoutez, Coconut Podcast va partager ça pour faire connaître le tout au plus grand nombre. Et surtout, messieurs, dames, je vous invite à aller la lire. Moi, j'ai lu ses articles, là. Incroyable. Alors, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour notre prochaine entrevue à Coconut Podcast. Sur ce, messieurs, dames, Niawen, et encore merci à Sophie Benford. Au revoir!